Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 4 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le critérium des 5 ans, troisième course de la Réunion 1 où 17 trotteurs âgés de 5 ans en découdront aux alentours de 15h15. Pour cette finale de la génération des 5 ans, donc les 17 meilleurs jets ou presque s'affronteront sur la cendrée parisienne de Paris-Vincennes. Le parcours utilisé sera celui des 3000 mètres, assez particulier donc, ce qui nous promet une terrible bataille à l'arrivée. Il faudra donc avoir beaucoup de dureté pour sortir vainqueur de ce groupe 1 concouru sous un ciel ensoleillé. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 16, Jella Ticket. Ce grand champion entraîné par Romain Larue comptera sur la précieuse aide d'un Gabriele Gelormini le connaissant sur le bout des doigts. Venant de remporter la préparatoire avec style, il vise logiquement le succès lors de ce classique. En deuxième choix, le numéro 11, Go On Boy. Déjà lauréat de Critérium par le passé, même s'il avait été disqualifié après coup, ce pensionnaire de Romain Derieux compte bien remettre les pendules à l'heure en remportant ce fabuleux Critérium des 5 ans. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Gunilla Datou. Elle n'a qu'une course dans les jambes en 2021, mais Sébastien Garato est un maître entraîneur capable d'amener un cheval au top pour le jour J. Avec l'aide d'Éric Raffin qui vient de gagner sa 4000e victoire, c'est logiquement la chaleur dans l'entourage. En quatrième position viendra le numéro 12, Ganette Banville. JMB l'aime bien, le trouve parfait le matin et pense que ce fils de Jasmine Flore peut réaliser un immense exploit. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Galus. Déféré des quatre pieds, ce qui est très rarement le cas, ce fils de Love You peut compter sur l'aide de Johan Le Bourgeois pour terminer à l'une des 5 premières places. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Gou Barouk. Très bon sprinter, si Alexandre Abrivard arrive à le planquer durant le parcours et qu'il se fait ramener jusqu'à l'entrée de la ligne droite, alors il peut réaliser lui aussi un authentique exploit. En avant-dernier choix, le numéro 17, Green Grass. Meilleure femelle de sa génération depuis longtemps, ou en tous les cas la plus régulière, cette fille de Bold Eagle peut espérer terminer dans les 5 premiers avec l'aide de Mathieu Mottier. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Grand Art. Si Franck Oury lui donne le parcours caché dont il a besoin, alors il peut lui aussi prétendre à la 5e place. En cas de non partant, le numéro 8, Goldie Mary, présenté par un certain Mathieu Abrivard, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono indique le tiercé dans l'ordre de 370 euros, ce qui est tout de même un bel exploit. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain.